Salut à tous! Donc, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ce ne sera pas l'unboxing de ce masque. Tout simplement parce que dans le colis, il n'y avait pas que ma part à moi. Donc, j'ai quand même dû l'ouvrir. Mais bon, je vais quand même, je vais quand même vous faire la présentation de ce masque avec vous. Allez, c'est parti! Je vous propose de lire les options qu'il a. Alors, déjà, ce masque, c'est un shot. Asso Glossy modèle 2019. Moi je l'ai pris de couleur noire. Il est fourni avec les roll-off. C'est pour la boue et c'est ce que je voulais. C'est super pratique. Alors après, les options. Alors, il a une ventilation frontale, une monture semi-rigide. Donc là. Ventilation frontale, c'est tout ce qui va se passer, qui va laisser passer l'air dans l'avant du masque. Donc là, il est bouché pour pas que la boue rentre à la place de l'air. Voilà. La monture semi-rigide, c'est que le masque, il est assez flexible. Une mousse simple densité. Ça, c'est que la mousse du masque, elle est pas épaisse. C'est juste une couche de mousse. L'écran anti-buée, anti-rayure. Alors ça, c'est génial. Si vous n'avez pas un masque comme ça, il faudra en acheter un. Parce que sur mon ancien masque clair, en fait, si vous voulez, il est rayé de partout. Parce qu'il n'avait pas ça. Et en fait, ça protège quand vous êtes dans un bois humide. Ça évite que le masque il soit plein de boue. Plein de buée. Pardon. Et l'anti-rayure, c'est qu'il se raye un peu moins vite. Voilà. Alors après, le tear-off support, eh ben, c'est que on peut lui mettre des tear-off. Sauf que moi, là, c'est pas des tear-off, c'est des roll-off. Les tear-off, en fait, c'est juste. Je vais vous montrer rapidement. C'est juste l'écran du masque en fine couche de papier, comme il y a la bande qu'il y a là. Sauf que ça prend la forme du masque et vous l'arrachez. Ça se prend sur le bandeau et sur les côtés du masque et vous l'arrachez quand il est plein de boue. Et que vous y voyez plus rien. Alors moi c'est juste les deux rouleaux, on tire une petite tirette et l'écran il va défiler. Enfin je vous montrerai comment ça marche tout à l'heure. Et après, ça nous dit qu'on a un bandeau ajustable siliconé. Alors ça, c'est une petite bande de silicone qui va se mettre sur le bandeau du masque pour que le masque soit bien collé, bien plaqué au casque. C'est pratique aussi. Voilà. Alors, bah moi, je vous propose tout de suite de passer à l'ouverture de ce masque. Donc, tac, il est une ouverture latérale, là, de son côté. Waouh. Putain, le masque, il est vraiment super beau. Franchement, il a un look assez classe. Bah, c'est le modèle 2019, hein, donc il est assez nouveau, tout. Bien classe. Donc le système roll-off, vous voyez ici il y a une tirette. Vous allez la tirer comme ça et l'écran, ça va le faire défiler et ça va en mettre un nouveau. Ce qui fait que si vous avez de la boue là-dessus, elle va rentrer là-dedans et après ce sera neuf et vous y verrez à nouveau que sur la bande là, ce sera neuf. Après sur les côtés, vous en foutez un peu mais juste pour qu'il y ait une vision quoi. Bon là je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie de l'abîmer, ça sert à rien de passer un rouleau de roll-off comme ça. Sachant qu'il y a dans le mien il y a 35 mm de rouleau. Donc je pourrais le faire mais bon j'ai pas très très envie. Donc en parlant du bandeau siliconé, c'est ça. Du coup, ce morceau là, ça colle au casque. Et du coup, ben, c'est assez pratique. La ventilation frontale, donc c'est ici, là. Là, on peut pas la voir parce qu'il y a un truc qui protège.
Et je peux pas trop l'enlever non plus. Voilà. Donc les roll-off, ils sont là. Les points forts du masque que je trouve bien, c'est bah, qu'il ait toutes ses options. Enfin, ça, pas tous les masques longs, c'est assez important. Et qu'il ait les roll-off fournis avec, parce que, en plus, ce masque, il m'a pas coûté cher du tout. Je l'ai payé 32 euros, je crois, sur MotoBlues. Donc, c'est un site qui fait moto, mais moi, le masque, j'utiliserai un peu pour tout, moto, vélo. Après, ça reste un masque, hein, c'est. Voilà. Alors, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une vidéo test de ce masque, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et bah voilà, je ferai si je la ferai si vous le voulez. Allez, à plus les gars!